Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, marhaban bikoum fi vidéo jadid. Vidéo liom khas bitkoui mwadam, l'ouhda, l'oula, idan ghadin bdao bla lecture. Anna ouhd le texte sous le titre Le satellite Mohamed 6b. Donc d'abord ghadin qraou le texte ou ghadin jawbou ala les questions de compréhension du texte. Donc tibou maya. Le satellite Mohamed 6b. Le satellite d'observation de la Terre Mohamed 6b a été lancé avec succès le 21 novembre 2018. Il sert à sécuriser les frontières, surveiller le littoral, contrôler l'immigration clandestine. Ce satellite permet d'avoir des informations sur l'agriculture dans chaque région. Il donne une idée précise sur les types de produits cultivés par région et sur la quantité de chaque production. Il contribue aussi à suivre les évolutions de l'environnement et à prévoir les changements climatiques. Grâce à ce satellite, le Maroc assure une surveillance totale de son territoire. Donc voilà le texte. اللي تيهضر على يعني القمر القمر الاصطناعي محمد 6 بي اللي طلق هذه يعني دونك صافي دونك واحد 3 ans دونك في لو 21 نوفمبر 2018. يعني عنده بزاف ديال يعني الادوار لانه كيقدر يعطينا ديزانفورماسيون يعطينا معلومات على الفلاحه في كل جهه كيعطينا واحد الفكره يعني دي زيدي بريسيز لا الانواع ديال يعني المزروعات وكذلك حتى على الكونتيتي ديال المنتوجات الفلاحيه كل سنه ولا كل موسم فلاحي وكيعاوننا ايضا اننا يعني نعرفوا هذوك لي زيفولوسيون د لونفيرونمون وهذوك لي شانجمون كليماتيك هذوك التغيرات المناخيه نقدروا نديتيكتيهم بار يعني l'aide de ce satellite. Donc grâce à ce satellite, le Maroc assure une surveillance totale de son territoire. يقدر هاد لو ساتيليت هذاك يعطي يعني الاداره يعني مراقبه يعني الحدود والتراب الوطني يعطي فكره على يعني لا سورفيونس يعني الحمايه ديال الحدود. اذا اندوزو لي كيستيون دو كومبريونسيون جو كومبرون. دونك que représente la photo? Donc la photo, bien sûr, représente le lancement de satellite Anil Intelaq. Donc un tube 1. Donc la photo représente le lancement du satellite Mohamed 6B. Donc, la photo représente le lancement du satellite Mohamed 6B. Donc, sur Altani, quel est le titre de texte? Donc, bien sûr, voilà le titre du texte. Le satellite Mohamed 6B, donc Adawa, le titre du texte. Soal Telt. D'après le titre et la photo, de quoi s'agit-il dans le texte? Donc, le texte est un texte informatif. Donc, je vais regarder le texte. Donc, deuxièmement, je vais regarder le titre. Je vais le titre du texte. Troisièmement, donc il s'agit donc dans le texte il s'agit donc de quoi d'après le titre de quoi s'agit-il dans le texte il s'agit de là je regarde le texte il s'agit de donc de donner des informations les noms qui attendent des informations sur ce satellite, des informations sur ce satellite. Donc voilà, il s'agit de donner des informations sur ce satellite. Donc quatrièmement, quand le satellite Mohamed 6B
a-t-il été lancé? Donc, bien sûr, il a été lancé le 21 novembre 2018. Donc, on va écrire quatrièmement, il a donc été lancé le 21 novembre 2018. Donc, il a été lancé le 21 novembre 2018. Donc, cinquièmement, à quoi sert ce satellite? Donc, à quoi sert? Donc, un bzaf d'il adwar. Donc, il sert. Donc, il sert à. On dirait juste une carte ou un petit bocal adwar d'il. Donc, avoir des informations. Sur l'agriculture. يعني هذه فكرة رئيسية أنه كيعطينا معلومات على الفلاحة دونك وكيعطينا يعني لي زيدي اون ايدي بريسيز على لو تيب دو برودوي كولتيفي و الكونتيتي دو برودكسيون و يعني يعني الفكرة الثانية ولا الفكرة الثانية دونك il donc suivre il permet de suivre les évolutions de l'environnement. Donc de l'environnement. Donc il suivre les évolutions de l'environnement ou ça prévoir. Donc prévoir les changements climatiques. Les changements climatiques. Et prévoir les changements climatiques ou Hajjahra, donc et surveillance totale de la territoire marocain. Donc surveillance, donc Kadali, surveillance, donc totale de la territoire marocain. Donc, d'où mal et je vais parler sur le comme ça. D'abord, Adine Dezo, c'est à l'aide d'un matériel simple, construit une maquette d'un satellite de ton choix. Donc, c'est sur elle, il y a وسؤال يعني غادي نصنعوا واحد يعني واحد اون ماكيت سامبل دان ساتيليت دو طون شوا دونك فوالا دونك يعني هادو عندنا السؤال الاول والثاني والثالث والرابع والخامس هما اللي متعلقين بلو تكست وعندنا السؤال السادس هو سؤال للبحث اي دونك اي فوالا لي ريبونس ديال هاد لو تكست دونك فوالا يعني هنا غيسالي هاد الفيديو موعدنا ان شاء الله مع باقي يعني باقي يعني دروس تقويم ودعم الوحدة الأولى grammaire conjugaison orthographe et production de l'écrit donc sur votre chaîne à bientôt